Nous venons de nous acquitter d'une obligation constitutionnelle, celle de déposer le budget avant le 1er novembre. Le projet de budget 2021, sa configuration se présente de la façon suivante. Il est présenté comme l'exige la loi en équilibre recettes-dépenses et il s'analyse en termes de 6,9 milliards de dollars américains. C'est une régression par rapport au budget 2021 de 23,2. Donc c'est un budget réaliste qui présente une progression par rapport au projet de budget rectifié qui a été présenté ici par le vice-premier ministre, ministre du budget. Et donc nous avons pu, en discussion avec les partenaires financiers, notamment le Fonds monétaire international avec qui nous sommes en programme, nous avons présenté un budget réaliste et nous nous engagerons, selon une fois voté, à ce que nous puissions le réaliser conformément à la loi qui sera promulguée. À tout cela, nous avons depuis, si vous suivez les comptes rendus du gouvernement, toutes les deux semaines, il y a le vice-premier ministre, ministre du budget, présente au niveau du Conseil des ministres les efforts déployés par le gouvernement pour la mobilisation des recettes. Et dans ces efforts, il y a la lutte contre la corruption.